Hey les gars, ça va, c'est Energy et on se retrouve pour l'un des derniers épisodes de Partir de rien saison 3. Oui, je suis taré. Non, je ne regrette rien. Voici le chant que j'ai rassemblé parce que, oui, je sais, il y a déjà trop de chants. Oui, je sais, ça va être un travail fou de tout semer. Mais j'aime pas faire les choses à moitié. Du coup, j'ai rassemblé tous les chants qui étaient vraiment rassemblables, c'est-à-dire celui-ci et celui là-bas. On avait fait celui-là dans le dernier épisode. Ce qui fait qu'on a une surface, j'ai envie de dire récoltable, enfin semable pour le moment, qui est immense, hein, qui équivaut à quasiment 80% de la map. Il y a encore des petits champs éparpillés un peu partout. Je m'en fous, je vais pas les faire ceux-là parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Toujours est-il que je vais vous montrer la carte. Voici tous les champs qui sont en ma possession, sachant que j'ai encore 1,6 million en argent. Donc ce qui fait que je peux encore faire pas mal de choses. Toujours est-il qu'il me reste un seul champ à rassembler, c'est celui-ci. Et après, ça sera terminé. Donc je vais encore faire ça. Après, il y a des questions qui se posent, c'est est-ce que je mets de la chaux? J'ai bien envie de faire ça vraiment bien, de mettre de la chaux et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas pulvériser sur tous les champs. Hein. Ça sera juste du semi, il n'y aura pas de pulvérisation. Parce qu'il faut pas déconner. D'ailleurs, maintenant, ce que je vais faire... Je suis obligé d'utiliser l'outil paysage hein, un petit peu partout. Et également pour justifier certains endroits qui seraient trop chiants à récolter. Je vais vous montrer. Alors, attendez, on va juste prendre de l'herbe, si c'est possible. Voilà. Et comme ça, ici... Voilà, comme ça, ça sera plus facile de passer avec le soir et la moissonneuse si je coupe comme ça. Bon, ça fait un peu carré, mais c'est pas gênant. Du coup, ce champ-là est maintenant prêt à 100% si je ne dis pas de bêtises. Il me reste plus que celui-ci à rassembler. Oui, je suis malade. Oui, il ne reste plus que 3 épisodes pour acheter tous les champs. Bon, acheter tous les champs, je pourrais limite le faire. Hein. Regardez, cela, ça coûte rien, ça coûte rien. Il manque juste quelques... Il manque 500 000 euros, je pense, pour acheter ça. Parce qu'en gros, j'ai calculé ça, tout ça, je peux les acheter. Et après, il manquerait 600 000 euros pour acheter ça. Ça va aller très vite. Donc, autant vous dire que là, la dernière ligne droite, ça va être les 10 millions. Et on n'a que 3 épisodes pour le faire. Sachant que j'aimerais bien récolter ce champ. Enfin, c'est pas ce champ, je veux dire, abattre cette forêt. Ce qui rapporterait, je pense, de l'argent. Hein, parce que rappelez-vous, le prix du bois, de base, il rapporte beaucoup. Donc, ça pourrait être une des solutions, en plus de faire de la laine. D'ailleurs, juste avant de continuer à récolter mon champ, j'ai mon wagon ici à ramener, parce que j'ai dû le refaire. Hein, donc il y a pas mal de off que vous n'avez pas vu déjà, parce que j'ai pas pu filmer tout le rassemblement du champ. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un bug de capture, mais ça a été fait, c'est ça qui compte. Et également, la laine, j'ai pas filmé, parce que ça vous donnerait envie de vomir, tout simplement. Pour éviter de vous donner envie de gerber... j'ai préféré être un petit peu malin et prendre les devants là-dessus. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener tout ça. Je vais ranger tout ça, on va aller rassembler certainement le champ. Et puis on se retrouve une fois que c'est fait pour des semis. Et puis certainement de la chaux. Ah, je sais pas si j'aurai le temps de la chaux. Après la chaux, c'est pas le temps que ça prend. On va voir. Est-ce que j'ai besoin de mettre de la chaux partout d'ailleurs? On va regarder ça. Composition du sol, a besoin de chaux. Ok, à peu près. Ah, celui-là n'a pas besoin de chaux. Celui-là a partiellement. Oh, ils n'ont pas vraiment besoin de chaux. Il y a des endroits où ils n'ont pas besoin. Donc la chaux, on va oublier. Doit être labourée. Bah, tu vois, on a labouré à pas mal d'endroits, donc il n'y a pas vraiment besoin. Bon, là, elle mériterait d'être relabourée, mais hein, on s'en fout un peu. Donc labour non plus. Et fertiliser, ça mériterait d'être fertilisé. Ça sera fertilisé qu'en bleu clair parce que j'aurai de l'engrais dedans. Alors les mauvaises herbes, vu le mal que je me suis donné, je me demande si je m'autorise pas à les désactiver. Hein. Parce que franchement,
Là, je me suis donné du mal, donc ça me fait un peu mal au cœur de qu'il y ait des mauvaises herbes. Hein. Mais bon, tant pis, on fera avec, hein, sinon. On fera avec, et on verra ce que ça donne, mais normalement, ça devrait rendre pas mal. C'est qu'on y arrive au bout, hein, de mes conneries là. C'est bon, hein, c'est le dernier chant, c'est terminé. Je vous promets, pour ceux qui aimaient pas ça, que c'est fini. Je rassemblerai plus de chants. Enfin, en tout cas, pour cette série, hein. Après, voilà, il y aura d'autres partir de rien. Il y aura peut-être d'autres règles et tout. Mais pour cette série, le rassemblement de chants est terminé. En même temps, il reste plus que 2 épisodes et demi en comptant celui-là. Enfin, 3, allez, on dit 3. En comptant celui-là. Bon, ça m'a pas pris trop de temps. Ça m'a pris un peu moins du. Ouais, moins d'une heure. Hein. Je pense une demi-heure, ça m'a pris. Une demi-heure, donc ça va assez vite. Bon, c'est pas encore terminé. Il me reste le petit trait là. Alors, les oublis que j'ai fait, c'est fait exprès. Enfin, c'est pas vraiment fait exprès, mais je vais vous montrer. C'est pas gênant en tout cas. On va ramasser ça comme ça. Voilà. Ouf, ça fait du bien. Déjà, maintenant, on peut se dire qu'on peut semer. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes oublis, on va les oublier, justement. Regardez. C'est parce qu'en fait, c'est trop proche des bordures et du coup, c'est inutilisable. Tac, on va essayer de délimiter ça proprement. Ouais, comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, comme ça, c'est pas trop vilain. On va essayer de faire ça joliment. Ouais, bon, après, forcément, c'est toujours un petit peu carré sur les bords. Bah bon, est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit bien grave. Hop, voilà. Voilà, voilà pour vous. Ah, c'est pas mal comme ça. Ah, c'est pas mal comme ça, j'aurai la place de passer avec et le semoir et la machine pour récolter, donc la moissonneuse. Dans ce cas, là, on va réduire un peu le champ encore. Ouais, bah c'est bien comme ça. Hop, on va juste faire ainsi. Et voilà, ah oui non, le côté là. Juste avant, et puis j'annonce officiellement que le rassemblement des champs est terminé. Alors j'ai un FOV énorme sur ce Big Bud, c'est pour les accélérer, pour pouvoir filmer proprement, et normalement ça rend super beau. Enfin, moi je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, alors le Big Bud on va pouvoir le ramener, et je vais pouvoir également, alors ce que je vais faire maintenant, c'est soit je me concentre sur les semis, soit je fauche un peu, parce que ça serait bien de faucher un peu. Je vais pas te mentir, il va nous falloir un peu de foin. Mais pour le foin, j'ai réfléchi à quelque chose. Soit je le fais moi-même, ce qui est possible, mais ça me prendrait énormément de temps. Il me reste 2 épisodes et demi, frérot. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Et j'aimerais bien nourrir également mes vaches, parce que ça m'aiderait bien à gagner de l'argent. Donc là, il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je fais le foin moi-même, mais ça va me prendre tout l'épisode. Vraiment, ça prend trop de temps, et du coup, j'aurai pas le temps de semer, et ça me prend un épisode de retard, et du coup, on pourrait peut-être pas faire le bois. Enfin, ça me met dans un merdier. Ou soit, vous savez que sur Farming 19, on peut acheter des bottes. Et c'est des bottes de foin. 4000 litres. 4000 litres, il m'en faudrait 800 000 litres. Donc il me faudrait 20 fois ça. Ça me coûterait 12 000 euros? Vraiment? On va pas se faire chier. Hein. Ah non, ça ferait 80 000 litres, 12 000 euros. Il me faut 130 bottes. Oui, vous ne rêvez pas, il me faut 130 bottes. 130 bottes. Alors maintenant, on multiplie 650 par 130. Donc attendez, deux têtes. Ouais, deux têtes à vue de nez comme ça, ça fait 84 500, hein. Deux têtes, hein. Après, voilà, je peux me tromper, j'ai peut-être oublié une retenue dans ma tête. Bon, 84 500, bon, bien sûr, j'ai utilisé la calculette. Ça me paraît valable, hein, de payer que 100 000 euros pour pouvoir faire tout le reste des vaches et pas avoir à se faire chier à tout faire soi-même. Et c'est rare, en vrai, c'est la première fois que je vais acheter des bottes, je pense. Ah non, j'en avais peut-être acheté pour mes chevaux à un moment. Même pas sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de place, déjà. On va dégager le phytosanitaire et on va acheter un maximum de bottes, quoi. Et on va y aller avec nos autoloads. J'ai envie de faire un énorme convoi, d'acheter plein de plateaux. Faut que j'en achète de tête 16,25. Bon, on va en acheter 17, hein, histoire d'être un peu large. Donc on en achète 17. Allez, 1. Plus que 16. Ah ouais, non. Oh, le con. J'ai un mode qui téléporte le point de vente. Donc là, il a pas spawn ici. Là, il a spawn là-bas. Oh merde. Oh, le triple con. Regarde, là, ils doivent être en vrac. Ah ouais. Ah ouais, bravo Michel. Bah oui, parce que j'avais totalement oublié que j'avais un mode de ouf qui permet, en payant, je crois, 20% du prix en plus pour la livraison, et vu que ça coûte rien, bah c'est totalement valable, qui permet de rapprocher l'idée de tout ça. Donc en fait, là, j'ai une grande cour, donc je pourrais faire apparaître plein de bots. Et donc ce que je fais, c'est Shift-Alt, et le mode s'appelle livraison sur King Mode, pour ceux qui se demandent, S. Et voilà, j'ai défini un nouveau point. Maintenant, j'ai même pas besoin d'aller au shop.
Je vais ici, quantité, j'en prends 8. Et alors, du coup, 1, 2, 3. Comment régler le problème du foin en quelques secondes? Il m'en fallait 17, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avec ce que j'ai là. Bah, c'est nickel. Bah, c'est parfait même. Voilà, le foin c'est réglé. J'ai plus qu'à l'amener ici. Et comme ça, bah, j'aurai l'équivalent de 500 000 litres. 1 500 000 litres de ration. Ah non, j'ai que 600 000 ici. Ouais, bah, j'aurai 1 million litres de ration, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, je vais faire ça avec mes. Ah ouais, non, je vais pas faire ça avec les plateaux là, ils sont prêts. Ah bah, je vais en louer d'autres. Hein. Ah bah, y'a pas le choix. Eh bien, cette technique est productive. Elle est vraiment géniale. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une super technique. Et ça m'a permis déjà de livrer 410 000 litres de foin. Et c'est pas fini. Alors, c'est bon, je suis encore plein. Putain, la vache. Mais en fait, j'en ai acheté bien plus que prévu. Parce que j'avais pas vu, mais ça allait jusque derrière le hangar là-bas. Je vous montrerai après. Du coup, bah, ça va être bon. Au niveau des vaches, on devrait avoir plus d'un million de litres de rations totales mélangées. Et c'est pile ce qu'on recherchait. On va pouvoir se concentrer sur des semis. Enfin, hein, il était temps, vous allez me dire. Hop, bébé, ici. Y, est-ce que ça va tout vendre? Oui, nickel. Oh, ça va plutôt vite. Bon, allez, un dernier plateau avec ça. Du coup, on a combien de litres là? Ça l'affiche en haut, parce que c'est bugué, ça l'affiche pas ici. 560 000 litres. Oh bah, c'est déjà pas mal. Ah oui, déjà là, on est déjà au-dessus, mais bon, le rab. Et d'ailleurs, oui, j'ai loué un plateau pour rien, parce que j'avais déjà un plateau. Qui est sous ce hangar d'ailleurs, mais je l'oublie tout le temps ce plateau. Je suis tout le temps à en louer quand j'en ai besoin d'un, alors que j'en ai un ici. Mais bon. Il est pas inutile, on l'aime bien ce plateau, hein. On n'est pas là pour ça, quoi. On l'apprécie en tant que plateau, quoi, finalement. Bon, là, ça devrait pas être un plateau plein, loin de là. On active. Allez, ramasse tout ça. Ramasse tout ça. Là, je suis en train de penser au SMI que j'ai à faire après, ça va être magistral, hein. Ça va être vraiment quelque chose d'assez long, pour moi, en tout cas. Alors, attends, est-ce que je peux faire demi-tour, là? Ah, ça passe presque, hein. Ça passe. D'ailleurs, j'ai rangé la voiture. Parce que ouais, ma voiture était toujours pas rangée depuis moult épisodes. Bah, je crois que depuis qu'on a cette ferme. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdé. Hein. Vraiment, ça coûte que dalle. Ça m'a coûté 100 000 euros. Et ça me permet de faire des tonnes d'argent avec le lait. Enfin, qu'on découvrira ça, je pense, au prochain épisode. Le temps que je nourrisse tout ce monde-là. Je pense qu'on va en nourrir un peu dans cet épisode aussi. On a beaucoup de choses à faire là. On est déjà à la moitié de l'épisode. On a encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pas rassurant tout ça. Je sais pas à quelle heure je vais dormir, mais encore. Mais bon, c'est pas grave. C'est le but de partir de rien, c'est la tryhard. Bon, mais en tout cas, le truc pour les livraisons, je m'en servais jamais. Mais là, il est bien pratique. Là, j'avoue qu'il est quand même bien pratique. Voilà. Et on verse tout ça. Ce qui fait qu'on est à combien de litres? On est à 641 000 litres. Et c'est en train de faire non-stop de la ration. On est déjà à 800 000 litres de ration. Sachant qu'on était au max en ensilage. Et qu'on a encore 500 000... Ah oui, en fait, on va faire beaucoup plus de rations que prévu. Donc, les vaches, autant vous dire qu'elles vont avoir à manger. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Alors oui, bah, on va pouvoir commencer les semis. Je nourrirai les vaches, tout simplement. On fera une pause dans le semis, hein, à la fin de l'épisode. Bon, je vais pas tout semer dans l'épisode, vous vous doutez bien. Parce que, déjà, on va essayer de semer ce champ-là. Et on va voir le temps que ça me prend. À mon avis, ça me prend du temps. Hein. Ce que je vous propose, moi, c'est que je fasse deux tours. Deux, trois tours. Et on se reprend pour lire les commentaires une fois que j'ai bien avancé dans ce semi. Et après bah, je terminerai le champ et on verra combien de temps ça m'a pris, si j'ai le temps d'en faire un autre ou si on enchaîne directement par nourrir les vaches. Vingt minutes plus tard, j'ai déjà semé tout ça, et donc on va pouvoir passer aux commentaires des abonnés, et franchement c'est pas si long, ouais, enfin, je trouve que j'ai pas mal charbonné, par contre regardez, dès qu'on va s'approcher, vous allez voir les textures sont dégueulasses, je sais pas pourquoi, pourtant regardez, c'est bel et bien semé sur la carte, tout est parfaitement semé, mais je sais pas, il y a des endroits où c'est comme ça,
Pas grave, si à la fin ça nous donne du soja, nous on s'en fout. Mais c'est quand même spécial. Bon, commentaire des abonnés, on commence avec le commentaire de quelqu'un qu'on suit souvent hein, pour ses conseils, qui est Jean-Yves Friand, qui me dit « Bonjour Analyse 5, tiens bon, tous les objectifs sont à ta portée. » Je pense aussi, je pense aussi. Alors pourquoi tu s'aimes pas toi mon con? C'était désactivé 100%. Voilà. Je pense aussi qu'ils sont tous à ma portée, je pense qu'on peut les réaliser, ça va être chaud. Il fallait pas un épisode de moins, un épisode de plus. Peut-être même un de plus, ça aurait pas été du luxe, mais je pense que c'est possible avec la laine notamment. Il me dit attention pour ta prochaine vente de récolte de soja, vu que ça va me prendre un certain temps, vu que je vais avoir énormément de litres. Il me dit de faire attention à ne pas être en accéléré et du coup que ça accélère le temps et que ça fasse chuter le prix du soja. Et t'as tout à fait raison Jean-Yves, je vais vraiment faire gaffe à ça. Tu fais bien de me le dire parce que j'y aurais pas forcément fait gaffe et malgré que je sache très bien hein, que ça baisse, là tu vas bien m'aider franchement, je vais pas te mentir. Passons maintenant aux commentaires de Gamex Gaming qui me dit super épisode comme Dag, merci beaucoup. T'es un fou de tout semer et tout maçonner. En fait, t'es un fou. Bah ouais, c'est vrai. Non, ouais, ça prend pas tant de temps. Maintenant qu'on a du gros matériel, récolter, ça va être très long. Je sais pas comment ça va finir, mais peut-être que, je sais pas, voilà. Déjà, semer, ça va être compliqué. Récolter, ça va être une autre galère, hein, je te le dis. T'as oublié pour les deux convoyeurs. Oui, si, t'inquiète pas. On va peut-être on va louer un autre convoyeur. On va certainement louer un autre camion. Louer plein de moissonneuses pour que ça aille très très vite. Et il me dit n'oublie pas de prendre un autre semoir. Sinon, tu ne vas pas réussir. Je sais pas si tu as acheté le DLC Gourbeau. Le Bourgo, ça serait sympa. Alors attends, je vais te montrer. J'ai le DLC Bourgo pour répondre à ta question. Alors, je sais pas si c'est vraiment rentable de prendre le semoir du DLC Bourgo. Là, on a combien? On a 25 mètres de largeur de travail. Et avec le DLC Bourgo. Bon, si c'est 30 mètres, ça vaut pas le coup, mais si c'est 40 mètres, j'avoue que je serais tenté. Ouais, c'est 30 mètres. Le plus gros, c'est 30 mètres. Bon, il est plus joli, hein. Ah, ça, c'est clair. Il est magnifique, hein. Il est magnifique, le truc de DLC Bourgo. Mais bon, pour 5 mètres de plus, bah non, c'est pas très utile. Et puis en plus, ça fait 700 000 euros. 761 000 euros, 762 000 euros exactement. Donc, oui, non, ça serait un peu trop cher, je pense. Donc, tu comprendras bien qu'on va rester avec celui-là pour gagner 5 mètres. En plus, il doit pas être repris très cher. J'ai même pas fait gaffe. Il est repris, les deux sont repris même pas 200 000 euros alors qu'il m'a coûté quasiment 500 000. Ouais, tu comprendras bien qu'on va rester avec cela, surtout pour 5 mètres. Après certains vont dire 5 mètres c'est énorme parce que si tu fais 4 tours dans un champ, t'as gagné 20 mètres et donc un tour avec ton semoir, c'est sûr. Mais bon, 700 000 euros le tour avec le semoir, je préfère mettre le tour avec le semoir parce que je vous rappelle qu'il me reste plus qu'1,5 million et j'achète pas de champ avec pour le moment, tout simplement parce que ça va me servir à acheter du matériel et à louer surtout du matériel pour avoir un deuxième camion, plusieurs transbordeurs, plusieurs camions à mettre sur ces transbordeurs, enfin, du chantier, moi je vous le dis. Bon allez, je termine ce champ et on passe à la suite. Deux champs sont désormais semés en soja. Ça fait celui-ci plus celui-là. Ça m'aura pris une bonne heure hein, quand même de semer les deux. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, comme ça, on voit sur la carte, ceux qui sont en bleu ciel, ils sont encore à faire. Et ceux qui sont en vert sont déjà faits. Bon, là, c'est un champ qui est basique, donc on s'en fout un peu. Mais du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un état des stocks, un état des lieux un peu. De tout ce qu'il me reste à faire. Donc ça va bien me prendre 3 heures hein, de faire le reste. J'ai moyennement hâte parce qu'en vrai ça va là d'en faire deux comme ça, mais d'en faire beaucoup 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 comme ça, bah, ça m'apprendra à en rassembler autant des champs. Mais en vrai certains disaient que ça allait dépaysager. Bon en vrai, moi, bon après ce côté là fait un peu vide, j'avoue, ce côté là fait un peu vide, mais en même temps j'ai supprimé une route là-bas. Mais sinon en vrai je trouve que c'est pas si moche que ça, en vrai j'ai laissé les villes, j'ai laissé les... Bah c'est vrai que sans cette forêt ça ferait très vide. Mais en vrai ça va, je trouve ça va, j'ai pas trop changé. J'espère que la sauvegarde sera rapidement disponible. Peut-être pas à la toute fin de la série, mais en tout cas j'essaierai de vous la rendre disponible le plus rapidement possible en tout cas. Alors attends, comment on va faire? On va aller, non c'était ici qu'il fallait que je tourne. Hop, on va aller donner un peu de ration quand même à nos vaches avant de se laisser parce que c'est pas le tout. Mais bon, elles ont faim et c'est normal. Et ça fait très longtemps qu'on leur a pas donné à manger, donc il va être temps. En plus, là, normalement, je devrais avoir un énorme stock de tout ça. Alors, attendez que je regarde ça.
C'est où? C'est ici. On a 995 000 litres. Donc oui, on a de quoi faire plus de 10 remorques. Ration totale mélangée. Bon, ça va aller vite au moins. C'est ça l'avantage. Je sais même pas si j'ai déjà servi avec cette remorque. Peut-être. Je sais plus si j'avais déjà celle-là ou si j'avais l'autre. Franchement, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus de laquelle j'avais. Donc peut-être que celle-là passe mieux. Ah non, c'est le camion qui passait pas, c'est vrai. Vous allez voir, ça va être le même... Oh là là, à chaque fois, je suis obligé de tourner tranquillement parce que sinon, il se renverse direct. Il est génial, ce camion. Il a de la puissance, il a tout ce qu'il faut. Mais par contre, il fait vraiment... Il penche, quoi. On dirait une moto, mais bon. Si y a que ça comme défaut, moi, ça me va. Comme ça, on ira vendre du lait, de la laine. Enfin, pas dans l'épisode prochain ou peut-être à la fin. Du lait, de la laine, du bois si on fait du bois. Oh merde, j'ai encore ce problème. Ah ouais, merde. J'avais oublié que j'avais ça, j'avais les déchets des vaches. Ah bah attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher un bucket un peu plus petit pour mon chargeur sur pneu. On va prendre pas un bucket de télescopique, mais au moins un petit bucket. Celui-là me paraît bien, 5000 litres, j'espère qu'il passe. On va bien voir. Ah mais en plus, il va être livré ici en fait. Oui, oh bah il est là, oh bah nickel. Il est où mon chargeur sur pneu? Je l'avais laissé par là normalement. Ah bah il est là. Ah oui, ok, j'avais même pas fait gaffe, il était là. Bon, bah, j'ai l'air malin. Ah oui, mais il est cassé. Je sais pas pourquoi, regardez, il est vraiment cassé. Attendez, je vais essayer de le réparer. Ça me propose pas de le réparer, mais regardez en fait. Attendez, je vais essayer de le téléporter pour voir ce que ça donne. Ah bah c'est malin. Est-ce qu'il est encore... Ah non, il est plus cassé. Ok, bon, il était peut-être enfoncé un peu dans le... Bah non, regardez. Il veut que reculer, il veut plus avancer. Oh, ça me fait chier de devoir le remplacer. Oh, quelle emmerde. En cette fin d'épisode. Écoutez, c'est pas grave. On va louer le petit Orion en attendant. On va pas l'acheter, enfin, même si ça coûterait le prix d'achat de l'autre. On va le louer pour le moment, au moins pour l'essai. Hein, on va payer 5 000 €, on va le louer pendant que je dégage tout ça. Alors, est-ce qu'il a été livré ici? Oui, hop. Je l'ai jamais pris, en fait, le petit Orion, là. Ah ouais, il est sympa. Ah, en plus, il a un tout petit gabarit. Mais il peut prendre des pelles de chargeur sur pneu, du coup il est juste excellent. Ah, avec les hydrauliques, avec les bouchons, ils sont juste magnifiques. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, en vrai, ah, il paye pas de mine, mais il a aucun mal à tirer ça. Putain, ça fait chier de se débarrasser de ce grand 4. Bah, de toute façon, j'en ai plus besoin. Il m'a servi pour les ensilages, mais c'est vrai que vu que je vais plus faire d'ensilage de la série, j'en ai plus besoin, mais je comptais quand même le garder. Mais c'est vrai que je m'en étais rendu compte pendant le off qu'il était tombé en panne. Et j'étais fort déçu. Hop, allez, ramasse tout l'ensilage, et ça va bien se passer. D'accord, bon, 5000 litres, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que le télescopique, on va pas se mentir. Ah, puis là, en vue intérieure, ça va tout seul, franchement. Ça va tout seul. Allez, hop, vite ça, et comme ça, après, je pourrais donner ma ration. Et moi, je terminerai tout ça, je pense, de toute façon, dans l'épisode, enfin, dans le off, pardon. Dans le off, et il restera plus que deux vidéos. Ça fait bizarre de dire ça, hein. Ça fait bizarre de se dire que plus d'un an de travail va s'arrêter... Dans 2 semaines, quoi. Dans 2 semaines, il y a plus d'un an de travail qui va s'arrêter. C'est un truc de ouf, mais j'ai quand même hâte de voir si je vais relever le défi. Parce que même moi, je suis pas encore sûr, je vais tout donner pour. Hein. Mais voilà, après, je peux pas faire des visites de 20 heures, mais je pense que c'est réalisable. Et on verse tout ça. Et comme ça, nos vaches vont être contentes. Et pendant que ça se vide, moi, je vais juste aller hop tourner la vanne d'eau. Et comme ça, ça va commencer à nous faire du lait. D'ailleurs, faut pas trop qu'il y ait de croissance des champs, parce que sinon on va y avoir du retard. Celui-là, les deux-là vont pousser plus vite que les autres. Enfin bref, je gère tout ça, les gars, pendant ce off. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une vidéo, je pense, assez longue. En tout cas, moi, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait pas mal d'activités. On aura créé des champs, on aura semé des champs, on aura... Ah oui, et livré du foin, c'est ça. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Énergie. Ciao tout le monde.